Aujourd'hui les gars, dans cette vidéo Fortnite, on a ajouté les toutes nouvelles voitures de Rocket League dans le mode Battle Royale. Honnêtement, je suis super hype de pouvoir lancer Fortnite et de tester les voitures en jeu. Juste avant de commencer la game, pensez aussi à vous abonner et activer la cloche des notifications. Et je remercie toutes ces dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Et un grand merci à ceux qui utilisent le code PJP. Mon code créateur il est simple, c'est PJP. Vous êtes déjà plus de 100 000 à me soutenir, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, code PJP pour pécho sa crush. On se retrouve directement dans le bus de Fortnite et il faut savoir que aujourd'hui dans la mise à jour, les voitures sont enfin disponibles sur la map. Les voitures étaient déjà disponibles depuis 2 mois dans le mode créatif, mais elles étaient jamais arrivé en Battle Royale et hier Fortnite ont mis un énorme trailer et aujourd'hui les gars c'est enfin officiel, les voitures sont là. Oh d'ailleurs il y en a une juste là les gars. Oh ouais, j'ai plus la ping. Pourquoi elle est toute en blanche par contre? Je vais me stuff et on va vite la récupérer. En plus je crois qu'elles sont un peu différentes que du mode créatif. Normalement elles ont des petites bandes blanches. Par contre faut vite que je me dépêche d'avoir une arme. Ok, il y a un petit coffre, on va ouvrir. Ok, là il y a un fusil à pompe. Oh, j'ai entendu un mec dans le bâtiment. Il est en train de monter. Oh, j'ai mis une balle. Ok, petite edit. Baum. Oh le pauvre, je suis désolé mon ref. On va l'éliminer. Regardez du coup les gars, la voiture elle est juste ici. Il y a du carburant. J'étais pas au courant. Elle a du carburant la voiture. Non, il tire sur la voiture. On protège la voiture, vite. Grosse balle de pompe. Voilà, il est fou lui. Oh, la voiture elle est trop stylée. Elle a des petites bandes blanches les gars, parce que dans le mode créatif elle a pas du tout des bandes comme ça. D'ailleurs c'est pas tout, Fortnite ont aussi ajouté un tout nouvel item grappin. Voici à quoi il ressemble les gars. Il a déjà été leaké. On va essayer de le trouver dans la game. Ça va être plutôt compliqué les gars, mais on va croiser les doigts. Il est temps maintenant de tester la voiture les gars. Alors waouh. Ok, donc c'est vraiment stylé. Est-ce que du coup elle fonctionne comme en créatif? Est-ce qu'on peut faire un backflip? Ok, on peut sauter. Est-ce qu'on peut faire un tour? Ok, on peut tourner. Un backflip. Ok, les backflips. Oh, on peut même monter au mur comme dans le mode créatif les gars, c'est incroyable. Mais est-ce qu'elle va aussi vite qu'en créatif? Ah non les gars, elle est pas du tout aussi rapide. Mais les gars, dans le mode créatif, pour ceux qui ont déjà testé les voitures, elles sont beaucoup trop rapides. Je vais essayer de faire un backflip. Oh, est-ce qu'on peut prendre de la méga vitesse? Normalement il y a un truc pour prendre de la méga vitesse. Ok, là on est en méga vitesse. On peut drift? On peut drifter et tout, ça tue de ouf. Je vais essayer d'activer le boost. On n'est pas trop rapide. En vrai les gars, c'est bizarre. Je sais pas comment vous expliquer, mais comme j'ai l'habitude de la jouer en créatif, j'ai l'impression qu'elle est super lente en Battle Royale. Vous savez quoi les gars, je vais garder le véhicule pour faire top 1 avec. Mon objectif c'est de faire top 1 avec cette voiture. Par contre je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir beaucoup d'essence du coup. Je vais essayer de remettre de l'essence pour voir si c'est facile dedans. Donc on va se mettre là, ok, tout doucement. Et là du coup normalement on prend le truc d'essence. Et là il suffit d'en mettre dedans. Ouais, regardez les gars, c'est en train d'augmenter. Là j'ai mis à 100% d'essence. Je vais aussi la réparer les gars, parce que voilà, on avait pris quelques dégâts. Et du coup il va falloir vraiment que je récupère un bidon d'essence. On va en récupérer un, comme ça on est vraiment tranquille. On peut même monter les montagnes les gars, mais c'est incroyable. En vrai non les gars, je crois que c'est le nouveau véhicule du Battle Royale qui est vraiment stylé. Est-ce que ça marche si on prend ça? Oh ça marche. Attends, déjà d'avoir une idée de ouf. Je vais essayer de faire un énorme tremplin. On va drifter. Ok, et là let's go, on prend la vitesse. Oh c'est incroyable. On peut s'envoler et tout carrément. Ça tue de ouf. Non honnêtement les gars, là c'est validé. Là c'est incroyable. Maintenant que je me suis stuff les gars, il est temps d'aller chercher des joueurs. J'ai vraiment envie de tester un truc les gars, c'est de faire un kill avec cette voiture. Je pense qu'on peut le faire hein. On va tester d'écraser un loup. Ouais, j'ai loupé. On va faire demi-tour. Allez let's go. Oh, ça les one-shot même pas, je suis un peu déçu. Par contre, est-ce qu'elle coule dans l'eau ou est-ce qu'elle flotte? On va tester. Ouais, bon, elle coule carrément, les gars. Bon, je vous conseille pas d'aller dans l'eau avec. Par contre, j'aimerais bien trouver des joueurs. Je veux vraiment tester le véhicule sur un joueur. Oh, il y en a encore une là. Mais attends, j'ai trouvé une deuxième. Est-ce qu'on peut faire comme dans Rocket League, c'est-à-dire exploser une voiture? On va prendre de l'élan. Ça marche! C'est incroyable, regardez la voiture! Oh, elle est en version carbonisée! C'est incroyable! C'est vraiment super stylé, mais du coup, on peut vraiment exploser les voitures de Rocket League en fonçant dedans. On n'est pas là pour tester des mythes, les gars, on va quand même essayer de faire top 1. Mais pour le coup, je suis assez choqué, ça tue. En plus, la voiture, elle a pas pris de dégâts, donc c'est vraiment cool. Mais les gars, il y a aucun joueur sur la map, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Pourquoi il y a plein de trucs comme ça? Il y a un mec qui a fait un glitch ou quoi? Il y a plein d'aspergeurs de chrome, ça s'est dupliqué en balle. On dirait vraiment que quelqu'un a fait un glitch de duplication. Oh, par contre, ça me tire dessus. Je vais essayer de le tuer avec la voiture, les gars. Je suis désolé, faut que je teste. Ok, on va lui foncer dedans maintenant. Ok, elle est là. Je fonce dedans. Je fonce dessus. Bam. Quoi, il est pas mort? Mais attends, mais c'est trop nul. Je croyais que ça allait le tuer la voiture. Viens là. Oh non, je dois recharger, j'ai le seum. Ok, il est KO. On va récupérer la voiture, sinon c'est en zone. Les gars, faut que je me dépêche. Ok, il est là lui. Oh, il est pas mort, il est pas mort. Backflip sur lui. Vite. C'est bon, je l'ai tué avec la voiture. Par contre, c'est super dur de faire un kill avec la voiture. Elle fait que 42 dégâts. Bon, au moins, on a fait un kill, les gars. C'est plutôt stylé. Mettez un gros pouce bleu, les gars. J'ai quand même fait un kill. Ça mérite un like. Par contre, ma voiture, regardez comment elle est explosée, les gars. Elle a plus d'HP. Il lui reste 136 HP. Il y a un autre joueur là-bas. Il me tire dessus. Alors, lui. Et je lui ai mis une balle. Encore. Et... Ah non, cette arme, elle est nulle à distance. Il y a un autre joueur qui veut ma peau là. Il faut que je répare la voiture, les gars. Je dois me dépêcher de la réparer. Ok, c'est bon, elle est réparée. Elle est comme neuve maintenant. Il y a un joueur au-dessus, je vais aller le tuer. Petit, viens là, mon grand. Mais il est passé où le joueur? Attends, mais ils sont passés où les joueurs? Oh, c'est quoi ça? Je suis mort. Fortnite, ils ont ajouté un poulailler. Regardez, les gars, il y a un icône de poule carrément. Mais il y a des poules ou pas dedans? Côte. Non, bon, je crois que j'ai essayé d'imiter la poule, les gars, mais c'est pas ouf. Eh, on va jouer un jeu. Ceux qui ont vu ce moment dans l'espace commentaire, vous mettez côte dans l'espace commentaire. Il y a pas de poule dedans, c'est nul. Je suis déçu de ouf. Oh, il y a un joueur en face de moi. On va le tuer. Je lui fonce dedans, Hop. Non, j'ai loupé. Je fonce. Quoi, il... Mais il est pas mort? Mais comment c'est possible? Ok, elle est là. On tourne autour de lui. Je fonce dedans. Bam. Il meurt ou pas? Il meurt. Oh, il est pas mort.
Ouah, là on l'a mis KO. Il y a encore d'autres joueurs sur moi, mais c'est l'enfer. Faut que je sorte du véhicule, sinon il va prendre trop de dégâts. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Il m'a fait trop peur. On va mettre un petit edit. J'ai loupé la balle. Oh non, il y a un autre joueur qui arrive au-dessus de moi. Mais là je vais mourir les gars, j'ai plus d'HP. Wesh wesh wesh, non. Non, je vais mourir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais les gars? Je suis en train de paniquer. Ok, elle est là. Ok, je l'ai tué. Maintenant on va s'occuper de ton pote. Bam. Il a pris une de ses balles, je suis désolé mon ref. J'ai failli mourir en plus les gars. Ils m'ont spawn à deux dessus, j'étais pas prêt. Par contre je sais plus où elle est ma voiture les gars, je crois que je l'ai perdue. Oh c'est bon, elle est là, je l'ai retrouvée. On va un peu la réparer comme d'hab, vous connaissez. J'ai envie de tester un truc les gars, de m'envoler avec. Oh ça marche, on peut s'envoler. Mais c'est incroyable, non, c'est trop cheaté les gars. Je suis désolé mais je trouve ça trop cheaté en Battle Royale. À la rigueur en mode créatif, tu vois, c'est fun, c'est pour s'amuser, faire des courses. Là on n'est pas en créatif les gars, là on est en Battle Royale, donc c'est trop, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. En plus les gars, j'ai de remarquer un truc, regardez, il y a des défis, ça s'appelle Height Octane. On peut débloquer des skateboards gratuits, une pioche gratuite carrément. En vrai les gars, faites vos défis, ça peut devenir une pioche plutôt rare et c'est bénéf. Wesh wesh wesh, on me tire dessus. Je viens à peine de réparer la voiture, on me tire dessus. Viens là toi. Voilà, et je lui ai mis un laser, on va le terminer. Oh il abuse, je venais de réparer la voiture, c'est pas professionnel ça. Par contre on a toujours pas trouvé le nouveau grappin, peut-être qu'il est pas encore disponible en Battle Royale. Il arrivera peut-être la semaine prochaine. Oh mais lui il me tire dessus, c'est un malade, viens là mon gars. Voilà, toi t'es mort. Il y a un autre joueur qui m'a tiré dessus ici. Vous voyez le mec qui me tire dessus là-bas, lui les gars on va le tuer à la voiture. On monte dans le Gamos, ok je le push. Backflip, on lui fonce dessus. Non je l'ai loupé, oh mais je suis trop nul. Allez je lui fonce dessus. Let's go, il est pas mort. J'ai plus d'HP, j'ai plus d'HP, je vais mourir. J'ai 40 HP les gars. Non mais c'est une dinguerie, si je prends des lasers de ouf dans cette vidéo. En plus j'ai même pas de heal blanc, c'est trop la galère. Par contre il y a la zone qui arrive, faut que je me dépêche vite la voiture. On monte dedans. Oh il y a un kit là, je vais prendre le kit de soin. Ça tombe à pic les gars, ça. Ça se mettre un petit kit de soin. Vite vite, c'est bon, let's go. On va reprendre la voiture. Normalement là je devrais faire top 1, j'ai déjà 9 kills en plus. Il y a un ping les gars, il y a un coffre-fort là-dessous. Mais me dites pas qu'il y a un vrai coffre-fort. Mais non les gars, il y a un coffre-fort sous le bois. Alors pour le coup j'étais pas au courant, on va l'ouvrir. Peut-être qu'on va trouver le grappin les gars, je croise les doigts. Allez le grappin, ok il y a pas le grappin s'il vous plaît. Toujours pas, toujours pas. C'est tout les gars, oh il était nul. Oh le coffre-fort il était claqué au sol. Qu'est-ce que c'est que ça les gars, il y a un ping. Mais pourquoi il y a un satellite les gars, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut le casser, faut faire quoi? Wesh, je sais pas ce qui s'est passé là. Je pense que c'était un défi, c'est pas très important. Oui, blouf dans l'eau. Je vous déconseille de mettre la voiture dans l'eau. Oh il y a une poule, on l'écrase. Oh la chance, ça c'est le destin les gars. Si vraiment j'étais censé l'écraser et là au dernier moment ma voiture elle a fait un backflip, c'est vraiment le destin. Mais quand bien même je t'écrase. Oh ça la one shot. Oh ça double one shot même. Est-ce que ça one shot les sangliers? Oh non ça les one shot pas totalement. Mais il est fou, il me tire dessus, viens là toi, voilà. On va l'écraser, encore une fois on l'écrase. Voilà, on fait le kill comme ça les refs. Par contre faut toujours réparer la voiture, c'est un peu relou. Elle a pas beaucoup d'HP en vrai, que 450 c'est vraiment pas énorme. Wesh, y'a un joueur qui est là. Il est sorti nulle part lui. Il m'a mis une vraie balle. Je crois que je suis bientôt en top 2 les gars. Ok lui on va le tuer à la voiture les gars au cas où. On prend la voiture de Rocket League. Non je l'ai loupé mais il y en a ils prennent pas de dégâts parfois, c'est une dinguerie. Mais attends il va tuer la voiture là. Mais pourquoi mon pompe il a changé? J'ai plus le même pompe dans la main. Voilà mais il est fou lui. Bon je suis en top 2 les gars, il reste plus qu'un kill. Par contre la voiture elle a failli se faire exploser, elle a 44 HP. On va la réparer, on se dépêche. Dès que je trouve le dernier joueur je le tue à la voiture. Si j'y arrive je compte sur vous, faut liker la vidéo. Tous ceux qui ont pas encore liké la vidéo, là c'est le moment de liker si je fais top 1. Par contre je le cherche mais je sais pas où il est. Petit. Oh il est là. C'est bon je l'ai trouvé. Fion, boum. Attends mais il a pas pris de recul mais c'est une dinguerie ça. Je lui fonce dedans à fond la caisse les gars, à fond la caisse. Il est pas mort. Et je dois réparer le véhicule sinon il va se casser. Mais lève-toi, mais lève-toi, la voiture elle fait n'importe quoi. Viens là toi. Ok, il est pas mort encore. C'est le moment de le tuer. Boum, let's go. Le top 1 les gars. Oh la voiture qui part en backflip. On a réussi officiellement à faire top 1 avec la toute nouvelle voiture de Rocket League en Battle Royale. Si vous voulez que je réalise de nouveaux défis comme des skybases avec la voiture, explosez la barre de pouces bleus et dites le moi dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche des notifications et le code PJP. C'était Power, bye bye.